Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de cette série Redécouvrant Donkey Kong Country 2. Alors, ça fait un moment que je bloque sur un niveau terrible, châtaigne et marron, qui normalement, en fait, je me suis documenté parce que j'ai essayé. En fait, ça doit être la septième fois que je tourne l'épisode 14, que je recommence parce que j'ai eu 7 fois game over, enfin 6 fois game over, et j'ai décidé de vous épargner toutes ces tentatives ratées parce que sinon on n'en finirait pas. Donc au bout d'un moment j'en ai eu marre et je suis allé voir sur internet comment les gens ils arrivaient à finir ce niveau. Et en fait, j'ai découvert que ZSNES, l'émulateur que j'utilise, il y a un bug. Et à cause de ce bug, les tonneaux, donc les tonneaux qui tournent vers la fin du niveau, comme celui-ci, ils ont un bug. Concentrons-nous. Ils ont un bug, c'est-à-dire que dans le vrai jeu, normalement, on est censé pouvoir les arrêter. Et alors, quand on peut pas les arrêter, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Évidemment. Et donc, comme je suis confronté à ce bug, j'ai décidé d'employer les grands moyens. C'est-à-dire que là, je vais sauvegarder. Alors, je crois que c'est F2. Voilà. Stayed saved. J'utilise la fonction de sauvegarde de l'émulateur, mince, qui est bien sûr de la triche par rapport à la sauvegarde qui est prévue par le jeu. Mais je m'autorise à faire ça uniquement à cause, uniquement parce qu'il y a ce fameux bug. Donc en fait, je vais faire F4 et je reviens ici direct. Bah ça commence fort. Évidemment, en temps normal, je ne m'autorise jamais à utiliser cette fonction. Ok, combien de fois je vais me faire avoir de la même façon? D'accord. On recommence? Mince! J'arrive même plus à passer le premier. La première difficulté, je veux dire. Sauvegarde, sauvegarde, ouais. Ok. Bon, là, je sauvegarde en plein milieu. Ouh! Yes! Non, non, non! Franchement, j'ai pas sauvegardé un endroit facile, hein. En difficulté qu'autre chose, je trouve. Ok, c'est bon, parfait. Je re-sauvegarde. Première série de tonneaux franchis. Sauvegardons encore. Bon, je pense qu'avec cette technique-là, on devrait quand même pouvoir s'en sortir. Alors, il y a quelque chose que j'ai essayé aussi. Mince. C'est. En fait, j'aurais voulu essayer avec un autre émulateur, genre SNES 9X. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas réussi à faire fonctionner ma sauvegarde de Donkey Kong Country 2 dans SNES 9X. Alors. Super. Yes. Bon, j'ai pas osé sauvegarder parce que je sais pas trop ce qui se passe après. Je pense que ça va être possible de faire marcher la sauvegarde dans SNES 9X, mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi y a plus rien?
D'accord, j'ai tout fait planter. D'accord, c'est super. Et ben on recommence. M'en fous, j'avais sauvegardé. Alors, où est-ce que j'en suis, moi? Je crois que là, c'est vraiment le passage le plus dur. Non, mais c'est pas possible. Ok. J'arrive pas du tout à passer la première. Ah, yes. Ben, ça va pas bien loin. Non, mais c'est trop dur. Franchement, j'y arriverai jamais. J'aurais dû sauvegarder uniquement les fois où j'avais mes deux personnages. Parce que franchement, pour passer ça... Ah, j'ai pas eu le temps de sauvegarder. Non, mais c'est trop dur. Ouais, cool. Mince, c'est pas la bonne touche. C'est pas possible. Franchement, il n'y a aucun moyen de passer ce... de franchir ce truc. Bon. Comment on peut s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'émulateur? Pas tricher sur la vitesse. Slow down. Qu'est-ce qui se passe si on fait slow down? Ah ok, mais il faut laisser la touche enfoncée. Ah ouais, pas mal. Il y a moyen comme ça, hein. Ah non. Non, raté. Bon, là, j'ai réussi à sauvegarder entre les deux. C'est n'importe quoi. Ah ouais, cool. Yes. Allez, on revient à la vitesse normale. Il n'y avait pas de passage secret. Pour l'instant, j'ai pas trouvé le niveau bonus. Ah non, pas eux. Ok. Purée, il faudrait que j'aie mes deux personnages pour avoir le... Je suis sûr que c'est le bonus là-haut. Donc il faudra que je recommence tout, mais avec les deux personnages. Ah non, on peut faire comme ça. Trop cool. Détruisez-les tous, invincible.
Ah, ça fait du bien de pouvoir détruire des abeilles juste en leur sautant dessus. Comme les ennemis de base. C'est pas habituel. 22 pièces d'éca. Et ben voilà, c'est merveilleux. On a contourné le bug de l'émulateur en utilisant les possibilités de l'émulateur. Ouf! Eh ben c'était pas facile. Allez, du coup, on va pouvoir mettre un terme à cet épisode. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode un petit peu particulier et on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.